Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la Manjaro Maté 1512. Je sais, l'ISO a 5 mois d'âge, mais pourquoi je parle de la Manjaro Maté aujourd'hui, la Manjaro Maté 1512, c'est juste pour vous montrer comment la mettre à jour. Parce que si vous avez envie de l'installer et que vous avez une connexion véritablement limitée, à savoir que vous pouvez télécharger autant que vous voulez, c'est pratique. Voilà. Pour mémoire, la Manjaro, tous les liens bien sûr sont dans le descriptif. La Manjaro Maté est sortie fin décembre, début janvier 2016. Fin décembre 2015, début janvier 2016. Donc en gros, ça fait 5 mois qu'elle est sortie. Et malheureusement, le mainteneur qui s'appelle Ringo, je crois, enfin, comme Ringo Starr, le batteur des Beatles, sauf que Ringo Starr lui avait du talent. Oh pardon, c'est pas bien. N'a pas daigné faire une mise à jour de son ISO communautaire. Ce qui donne encore une mauvaise publicité des ISO communautaires pour Manjaro Maté. Bref. Donc je vais l'installer. Et je vais partir l'installation jusqu'à la mise à jour complète et voir ce qu'on peut faire pour la moderniser un peu. Donc la vidéo risque d'être un peu longue, j'en suis désolé. Dans les Manjaro communautaires qui sont prépotables, il y a la Maté, la Gnome qui est faite par le grand chef de la Manjaro, donc c'est déjà pas si mal que ça, la Fluxbox qui malheureusement commence à sentir un peu le renfermé, la Deepin et peut-être la Cinnamon. Enfin, je vous laisse déjà les liens dans le descriptif, vous pouvez voir si vous en avez envie. Mais la Cinnamon, j'ai jamais été très, très grand fan, donc je peux me prononcer sur mesure. On passe en plein écran. Donc la Manjaro Maté, comme je disais, est sortie fin décembre 2015, début janvier 2016. Et manque de peau, malgré que la Manjaro soit une relais release, il n'y a eu aucune ISO intermédiaire entre temps. Moi je sais pas, proposer une ISO intermédiaire pour éviter que les personnes qui téléchargent se tapent 350 à 400 mégas de mise à jour, c'est plus sympa quand même. Ne serait-ce que pour le passage de la nouvelle génération de Pac-Man. Parce que Pac-Man 5 est arrivé début mars, si mes souvenirs sont bons. Enfin, je vais référer sur Internet. Je crois que c'est en mars que Pac-Man 5 est arrivé. Donc, peu ou prou, avec 15 jours de décalage sur la Manjaro. Donc là, je vous prouve que c'est Pac-Man 4. Voilà, la version 4.2.1. Donc, j'utilisais Calamares pour lancer l'installation. Je t'ai dit, voilà, Calamares. Et pour mémoire, tant que Calamares, c'est sa version 1. Quelque chose. Donc, c'est une vieille version de Calamares. Qui peut cependant rester utilisable. Ok. Là. Je prends les options par défaut. Fredo Manjaro Maté. Si j'arrivais à taper correctement, il y aurait du progrès. Mais comme je ne veux pas me connecter automatiquement, je laisse cette case non cochée. Voilà. Pendant qu'il s'installe, je vais lancer Firefox. Ne serait-ce que pour vous donner un ordre d'idée et avoir des dates précises à mettre sur les dates de sortie. Donc déjà rien que Firefox une version 39 comme ça ou 41 non 43. C'est déjà Firefox 43. Donc si on cherche la Manjaro Maté, ça date du lendemain de Noël 2015. Donc en gros, ça fait 5 mois et demi qu'elle est sortie. À peu de choses près. Si on prend Pac-Man, le gestionnaire de fichiers, enfin, gestionnaire de paquets de Manjaro, d'Archinus donc de Manjaro, Pac-Man 5.0 est sorti en février, la 5.0.1. Alors, voyons, c'est précisé, donc 5.0.1 est sorti en février, février 2016. Donc, si on regarde Pac-Man, la date de sortie de la version 5.0, si on regarde l'historique, Pac-Man 5 est arrivé en janvier. Donc, en gros, on va dire que c'est arrivé fin janvier, donc mi-février, dans Manjaro. Donc, en gros, 2 mois après la sortie de cette ISO. Et comme il y a des modifications à faire,
les opérations à faire avant de pouvoir lancer le tour en mise à jour en mode graphique. On va essayer tranquillement s'installer. Là, on est malheureusement dans le syndrome des ISO communautaires qu'on laisse comme ça, qu'on propose, et que malheureusement on laisse un peu dépérir. C'est dommage parce que serait-ce que la transition de Pac-Man 4 vers Pac-Man 5 est un peu chiante et n'est pas complètement graphique, malheureusement. Vous n'écoutez pas, je vais tout vous montrer et vous allez voir, ça fonctionne très bien. Et aussi le problème, c'est qu'on en est à la 17e ou 18e série de mise à jour. Donc si on ne télécharge pas un bon petit giga, on aura de la chance. Sachant que l'image ISO d'installation pèse déjà 1 giga et demi. Ouais ! Enfin moi je dis ça, mais je dis rien. Ouais, je vais vérifier, mais je crois qu'on en est au 17e ou 18e série de mise à jour pour la Manjaro 15.12. Rien que ça. C'est sympa de savoir, on en est à la... Bon, on parle de, bien sûr, de Calamares, blablabla. On en est à la 17e série de mise à jour. On va arriver à la 18e. Autant dire qu'en 17 séries de mise à jour, on peut se retrouver quand même avec un bon gros paquet, facilement peut-être 50% de la taille d'origine, 50% de la taille d'origine, ne serait-ce qu'en mise à jour. Ouais. Après ça, on se demandera pourquoi Arch Linux propose mensuellement une ISO d'installation. On peut se demander pourquoi. N'est-ce pas? Même si, bien sûr, on ne réinstalle pas un Arch Linux tous les mois. Mais au cas où il y a un pépin, on est obligé de changer de machine, c'est quand même mieux d'avoir une ISO d'installation à jour que de se récupérer une ISO d'installation mais de 3 mois avec un avec des logiciels qui sont parfois périmés qui peuvent provoquer des manipulations tierces qui sont assez chiantes. Voilà, c'est dit. C'est là qu'on apprécie la vitesse d'installation de Calamares. Enfin, une fois que on dépasse les 30%, on est sauvé. Non, pendant que ça s'installe, je vais vous parler de certains logiciels qu'on peut considérer malheureusement comme et nous y ayant quitté, disponibles dans la Logitech de Manjaro Maté, ne serait-ce qu'au niveau multimédia. Je ne suis pas super fan du menu Mint. Du MathEMenu, je crois qu'au niveau du multimédia, Praga, je ne sais pas si c'est encore vivant, pour vérifier. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a pas grand-chose qui ne soit pas vraiment encore à jour, quoi. Donc, on verra en post-installation ce qu'il faut vraiment modifier.
et si vous entendez les boum 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 de fond, ne vous inquiétez pas, ce sont encore mes censurés de voisins avec leur techno de censure. Voilà! Voilà, donc ça va aller un peu plus vite maintenant. Donc les étapes qu'on va faire après, ça va être d'installer d'abord Pac-Man dans la version 5, installer les trousseaux de clés de GPG, installer Yaourt, et après on pourra enfin passer en mode graphique pour installer les dernières mises à jour. Oui, tout ça parce qu'il n'y a pas eu de mise à jour, disons, entre temps, du moins depuis le mois de février. Grub s'installe, poste configuration. Voilà, donc on redémarre. La partie la plus facile est faite. Maintenant, on va s'attaquer à la partie la plus laxative. Donc aussi on va passer du système D228 à système D229, du noyau 4.1.15 au 4.1.23, même si j'ai envie de passer au 4.4, 8 ou 9. Donc là, LightDM va se charger. C'est bon, tout est en français. On est go. Donc, première étape. J'aime pas la techno. Je mettrais bien du métal, mais le problème, c'est que le robot YouTube risque de gueuler. Donc, bref. Deux mises à jour disponibles. Ben, voyons. On va commencer par lancer le terminal. Et on va faire, déjà, on va déjà prendre les miroirs les plus proches. Histoire d'avoir le miroir. On va avoir des téléchargements un peu rapides. Style à 350 kbps au lieu de 2. C'est quand même mieux. Désolé pour le bruit, je me fais un petit café, ça me calme les nerfs. Donc maintenant on fait sudo pacman -s pacman, ce qui nous fait passer à la version 5 de pacman. Donc on va faire sudo pacman -s yaourt. Et on va remplacer le vieux Pac-Man yaourt-c, on va remplacer le vieux Pac-Man par le nouveau. On va tout remplacer, on va pas s'ennuyer, on va pas se prendre la tête. On va tout remplacer. Voilà, comme ça au moins. Maintenant, on fait sudo pacman-s arch linux keyring manjaro keyring, pour avoir les clés de sécurité à jour. Et enfin, on va pouvoir passer en mode graphique pour faire les mises à jour.
on va donner un petit coup de main en faisant un yaourt SYY. Voilà. Et donc, maintenant, on va passer par l'outil qui va bien, le gestionnaire de mise à jour, qui va nous dire combien de mises à jour il y a récupéré. Pour mémoire, on a récupéré 1,5 giga pour installer la Manjaro Maté. Enfin, c'est la taille de l'ISO d'installation. À moins que PA Mac ne veuille pas se lancer. Bon. On va mettre à jour PA Mac. Comme ça, on aura PA Mac dans une mise à jour. À jour, c'est le cas de le dire. Par sécurité, on va fermer la session. C'est pas celle-là que je voulais, bien sûr. On va se déconnecter. Et en se reconnectant automatiquement, PA Mac va nous dire le nombre de mises à jour qu'il y a à faire. Là, on va laisser PA Mac tranquillement rechercher les mises à jour. 374. Rien que ça. Donc, si on fait une moyenne. Alors, nous avons dit avant de prendre la calculatrice, avant de lancer l'ensemble. Nous avons dit qu'il y a 374 mises à jour et qu'il y a 17 paquets de mises à jour. En gros, ça fait 22 paquets de mises à jour chaque fois. Et sur 5 mois, donc sur 20 semaines, 374 divisé par 20, ça fait 18 mises à jour par semaine. Voilà. Donc, on va lancer les mises à jour. Donc, il y a un peu de tout. Voilà. Flash plugin, donc ça, on peut toujours le virer par la suite, vu l'utilité de l'ensemble. GStreamer, blablabla, OpenJDK, merci Lib32, et Tamemenda, oui. Donc il y a 800 mégas à récupérer. Plus de la moitié de la taille d'origine de l'ISO d'installation. La preuve. Si on fait là. Alors, si on fait propriété, peut-être. 1,6 giga d'ISO d'installation. Et on a 800 mégas récupérés. En gros, on récupère 50% de la taille d'origine. Est-ce que ça valait pas? Est-ce qu'il n'était pas nécessaire, entre-temps, de proposer une ISO de mise à jour? Une ISO à jour, ne serait-ce que pour économiser, moi, je sais pas, 300 mégas de mise à jour. Bon, on va appliquer. Donc, là, il n'y a plus qu'à attendre. Et c'est là qu'il faut avoir une bonne connexion. Et des nerfs en assez trempés. Donc là, je m'excuse, mais est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple et plus respectueux envers les utilisateurs de proposer une ISO intermédiaire, bon, je sais pas, en février ou en mars, pour leur dire, bon, ben, c'est la Manjaro 16.03, Manjaro Maté 16.03, donc il y a telle et telle mise à jour, ça vous évite de récupérer, au lieu de récupérer 800 mégas de mise à jour, vous n'avez plus que 400. Ça aurait été sympa. Enfin, moi, je dis ça. Mais je me place du côté d'un utilisateur qui n'a pas une bande passante limitée et qui se dit, merde, il faut que je télécharge 800 mégas mise à jour, ça fait chier. Ça fait chier, quoi. C'est tout. Je dis ça, mais je ne dis rien. Et encore, j'ai une connexion assez rapide, donc peut-être en 7-8 minutes, j'aurais récupéré l'ensemble. Mais si une personne se retrouve avec une connexion style ADSL classique, ça va être une heure à voir bon, ça avance ou pas. Non, quoi, c'est pas sympa. C'est pas sympa. C'est pas sympa du tout. C'est dommage quand même que la Manjaro Maté, on a l'impression qu'elle est laissée sur le côté. Bah, c'est une bonne version de Manjaro communautaire.
C'est même une très bonne version. Elle n'est pas surchargée, il n'y a pas de logiciel. Elle a mort moi elle a mort moi le bout de l'appendice caudal. Voilà, quoi, c'est vraiment une très bonne distribution. Mais c'est dommage. Je veux bien que la Manjaro soit une running release, bien sûr, mais quand même sortir tous les 2 ou 3 mois des ISO d'installation pour éviter que les personnes se tapent 3, 4, 500 mégas de mise à jour, on appelle ça du respect. C'est tout. C'est tout. Voilà, donc là, c'est quand même dommage. À croire que maintenant les ISO communautaires, c'est 99% du temps. Ouais, super, je suis en ISO, ouais, je suis le meilleur du monde, ouais, j'ai fait que suivre un tutoriel. Tutoriel que je vous montre. C'est les Manjaro ISO Tools de mémoire. Donc si vous voulez créer votre propre image ISO de Manjaro communautaire, c'est très compliqué. Voilà. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. Voilà. Voilà le guide à suivre. Et pour info, il y a un profil déjà communautaire pour la Manjaro Maté. Voilà, c'est une petite page en anglais. Et dans les profils communautaires, il y a déjà la Manjaro Maté. Donc, il n'y a qu'à suivre le guide. Ce n'est pas, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, ni avoir 15 ans d'expérience dans le domaine de... Ouais, c'est des listes à remplir, c'est tout. Le plus long, c'est la création des ISO. Et ça peut prendre une bonne heure. Voilà, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Voilà tout ce qu'il faut pour construire une ISO. Aussi, bien sûr, du courage pour la construire en question. C'est bon, on est arrivé au 5/8. Il y a peut-être aussi une manip qu'il faudra que je fasse pour éviter qu'au redémarrage je me retrouve avec un écran qui ne se charge pas. À moins que ce soit corrigé, mais je ferai une petite manip si vous voulez tester ça dans VirtualBox, qui sera nécessaire pendant quelques temps, malheureusement. Sous peine de vous retrouver sans affichage par la suite au redémarrage, ce qui est ennuyeux. Sinon, elle est très bien ce Manjaro, le thème d'icône est sympa. Il y a pire, largement pire. Bon, on peut aimer ou pas la présentation de la Windows, les goûts, les couleurs, les coups, les douleurs, comme on dit, ça se respecte.
Par contre, Flash, peut-être qu'on peut lui dire adieu, hein, parce que maintenant, vu le support HTML5 croissant et qu'il n'y a que Deezer qui utilise Flash, non mais dans les gros sites que j'utilise encore, il n'y a que Deezer qui utilise Flash. Sinon, il n'y a plus grand-chose. Ou si vous voulez vraiment Flash, vous passez par le Fresh Player Plugin et vous êtes tranquille, vous avez une version de Flash beaucoup plus récente que la version officiellement supportée. Ah, bah, le pur arrive maintenant. Normalement, tout devrait se mettre à jour sans problème. Si on n'avait pas fait les manipulations de mettre d'abord Pac-Man, Yaourt et compagnie, ce serait parti en cacahuète et vous n'auriez eu que vos yeux pour pleurer. Raison pour laquelle il faut ressortir, et je me répète, désolé si je radote, il faut sortir régulièrement des versions à jour des ISO communautaires. Point barre. Enfin, si cette vidéo peut aider deux ou trois personnes à se dépatouiller des problèmes d'une ISO trop vieille, ce sera avec plaisir que je l'aurai créée et postée. Voilà, il installe les 388 paquets. D'abord, il vérifie l'intégrité. Mon PMMAC, on pouvait le mettre à jour après, mais je me suis dit, oh, allez, on va mettre PMMAC à jour directement, on va pas se prendre la tête, pas aussi bien. Et comme ça, on était sûr d'avoir un outil graphique à jour dès le départ. On peut-être aussi changer le fond d'écran qui est un peu périmé sur le plan de l'apparence. Mais ça, c'est pas le plus grave. Loin de là. Et encore heureux, Pac-Man est assez rapide pour installer des paquets.
Vive les ISO intermédiaires. Bien sûr. Et là, d'un seul coup, il passe l'accélérateur. Peut-être que la mise à jour de GTK 3 va casser deux ou trois trucs sur le plan graphique. Donc ça faudrait peut-être passer à un autre thème pour que ce soit à peu près lisible. On verra si ça casse ou pas. On est arrivé à peu près à la moitié des mises à jour. On l'a dépassé. Je n'ai pas grand chose à dire, donc c'est pour ça que je reste silencieux. Vous voyez très bien ce qui se passe. Dommage qu'il y ait encore le multilib imposé. Bon, ben c'est pas grave, hein. Par contre, on manque de mode de version pour LibreOffice Style. C'est pas plus mal que ça. Donc il y a une manipulation que je vais faire qui sera peut-être pas utile, peut-être utile ou pas, on verra bien. Ça sera par rapport à l'affichage d'un VirtualBox. Donc si vous vous installez dans une machine réelle, cette étape sera bien sûr inutile.
Je finirai la vidéo avec 2-3 modifications personnelles qui n'engagent que moi et qui permettront peut-être d'alléger un peu la Manjaro Maté, sans perdre en fonctionnalité. On arrive enfin à la fin des mises à jour. C'est vrai que 17 paquets cumulatifs, c'est long à mettre en place. Très peu long. Voilà, donc c'est bon, c'est terminé. On peut fermer ça. Normalement, si on actualise, le système est à jour. Donc, une manipulation qui nous concerne que les machines virtuelles VirtualBox. Alors, CD, etc. X11. Xorg.conf.d. Et là, on va juste masquer cette section. Si ça ne fonctionne pas, ben, je la démasquerai. Hop ça. Parce que sinon, VirtualBox ne veut pas démarrer. Bien bête. Donc là, on va redémarrer. Désolé, le plymouth, j'en ai rien à faire. J'aime avoir l'affichage en mode texte. Bon, certaines personnes préféreront l'affichage en mode graphique, c'est moins effrayant, mais bon, ça change pas grand chose vu la vitesse de chargement, n'est-ce pas? Donc apparemment ma manip a été fonctionnelle. Et là on voit les petits problèmes graphiques au niveau de la TM. Voilà, merci, j'étais 4.20. Voilà. On va voir s'il y a d'autres bugs d'affichage. Apparemment pas. Ah bah donc ça je gère complètement bien sûr. Voilà, donc apparemment il n'y a eu que le bug au niveau du IDM. Est-ce qu'au niveau de Cara ça change quelque chose? Non, ça ne change rien. Bon, très bien. Donc là, on va continuer avec en rajoutant les traductions manquantes. Même s'il en manque celle de LibreOffice. Ça, c'est le problème de l'outil qui ne prend pas en compte LibreOffice. Donc, c'est la version 45 de Firefox. Donc, on pense que la version 46 sera bientôt disponible. Ça, c'est le petit délai de livraison de Manjaro. PAMAC. Pour installer la traduction française de LibreOffice. LibreOffice style.fr. Voilà, on va installer ça, appliquer, valider. Voilà, on a LibreOffice en français. On va voir les paquets qui sont orphelins. Donc lui, on peut le virer. Donc j'avais vu qu'il y avait Praga pour la lecture audio. Vous vous souvenez de celui-là. Je crois me souvenir qu'il utilise chez Streamer 0.10 Praga. Audio. On voit aussi que MathMenu n'a pas été franchement recompilé pour notre ami GTK3.20. Alors
c'est multimédia. Sur une vidéo. Praga, je crois me souvenir qu'il utilise GStreamer 0.10. Ce qui laisse des paquets en trop. Oui. Bon, il y a une toute la bibliothèque, donc c'est normal. Je vais voir si tu utilises GTK, GStreamer, ou lequel personnage GStreamer utilise. Donc on va voir Praga. Dépendance. Ah non, apparemment il utilise. Si je désinstalle. Non, je ne vais pas le désinstaller. Je vais sélectionner. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais quand même vérifier parce que c'est pas assez clair dans. Ouais, bon, mais autant pour moi. Autant pour moi. Donc là, on va installer Noyau 4.4. Pour cela, je vous montre bien sûr que c'est bien LibreOffice. Alors voyons, LibreOffice. Toutes les applications. Bureautique, voilà. Donc il fallait peut-être aussi que le MathEmenu charge les icônes. Donc c'est LibreOffice 5.0.5, la preuve en action, en VF. Donc Praga Dodo. Si on met la version fraîche, il y a un bug avec les thèmes, donc mieux vaut pas. C'est quoi ce document PDF? Blablabla. Dommage par contre que le mainteneur n'ait pas proposé une liaison intermédiaire. Donc là, c'est un peu le foutre à la poubelle, maintenant on n'en a plus besoin. Voilà. C'est quand même dommage, oui, je vous disais, on télécharge 1,5 ou 6 d'ISO d'installation et on télécharge 800 mégas de mise à jour. Ça fait un peu lourd quoi. Hein. Donc là, on va redémarrer une nouvelle fois. Pour son Noyau 4.4. Puis avancer. C'est le 4.4 par défaut. Ok. Bon, c'est pas une obligation de passer au Noyau 4.4. Chacun décide d'y passer ou pas. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est virer Flash Player qui ne sert presque plus à rien. Si vous voulez vraiment un Flash Player, vous passez par le Flash Player Plugin, c'est aussi bien, et le Chromium Paper Flash, parce que le Flash 11, bof quoi. Voilà, donc la Manjaro Mate est à jour, on va dire au revoir à Flash. C'est pas la peine de le garder. Enfin, vous le gardez si vous en avez envie, mais personnellement, garder une usine à gaz, une usine à faille de sécurité, non merci. Donc, un ajout suppression de programme. Flash. Voilà. Désinstaller. Et on récupère 23 mégas. Donc si vous voulez installer le Flash plus récent, il faut activer AUR. Là je vous montre ça, c'est pas super conseillé, mais si vous voulez avoir un Flash récent, style Flash 20 quelque chose, au lieu de cette saleté de Flash 11, vous cherchez Fresh Player Plugin. On active la recherche depuis AUR. Voilà. Pour l'installer.
Non. Non, oui. Alors, ça, c'est pas super conseillé, mais si vous avez vraiment besoin de flash, je vous montre comment ça fonctionne. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Donc, on va changer aussi le fond d'écran parce que là, celui-là est un peu ancien. C'est celui de 15-12, donc c'est pas celui-là. Ah, tiens, on va mettre celui-là. Voilà, ça donne quoi? Ah oui, c'est plus agréable. C'est moins arrache-rétine. Donc, tu es en train de compiler le Fresh Player Plugin. C'est pas très long, hein. D'ailleurs, je vous prouve qu'on peut très bien se passer de Flash pendant qu'il compile. On va commencer par l'outil d'hygiène informatique. N'en déplaise à certains. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Là, ça c'est fait. Maintenant, on va aller sur YouTube. C'est pas ça que je vais faire. C'est un peu long à compiler, le Fresh Player Plugin, désolé. Mais au moins vous savez, si vous avez besoin du flash, voilà, vous savez comment faire. Donc on va aller sur YouTube par exemple. Non, pitié, pas Squeezie. Et non, je ne vous donnerai pas mon mot de passe. Alors, on va aller sur ma chaîne. Et par exemple, on va prendre celle-là. Pour vous montrer que ça passe bien. Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la Nuance 4.0. Voilà, vous avez la preuve que ça passe très bien avec HTML5. Voilà, ça finit de compiler. Vous inquiétez pas, la deuxième partie est quand même beaucoup plus rapide à compiler. C'est vraiment le bonus, la cerise sur le gâteau. J'avais pas prévu l'origine, mais je me suis dit pourquoi ne pas vous le montrer. Ça remplace la version périmée de Flash préinstallée avec cette distribution. Même si c'est pas bien. Oui, je sais, c'est pas bien. Cet outil de Fresh Player Plugin, une espèce d'enrobeur, comme pour les personnes qui ont connu à l'époque le NS Plugin Wrapper, qui permettait, quand on était sous une distribution 64 bits, de faire fonctionner Flash en 32 bits. C'était un enrobeur qui permettait de faire fonctionner l'ensemble. C'est le même principe. Je crois que cet outil était développé par celui qui produisait aussi des émulateurs pour Mac ancienne génération. Basilisk, je crois me souvenir que ça s'appelait. Enfin bref, c'est assez vieux.
Voilà, on installe le paquet. Et maintenant, on cherche Chromium Paper Flash. Voilà, Chromium Paper avec deux P. Au milieu, c'est mieux. On installe et on applique. C'est beaucoup plus rapide que la précédente. Hein. Non, je ne veux pas éditer Package Build. Non, mince. Je me suis gouré. Bien sûr que je lance l'installation. On recommence. Donc, première étape. On valide. Non. Je veux l'installer. C'est pas obligatoire que je vous montre ça, mais au moins comme ça, ça vous permet d'optimiser l'utilisation d'une Manjaro Mate si vous avez vraiment, vraiment, vraiment besoin de flash. Et comme flash était défourni à l'origine, je me suis dit autant compléter l'installation comme ça. Dans 2 minutes, on aura un flash 21 quelque chose installé dans Firefox. Trouvable via un petit about de point plugins. On tape le mot de passe. Et on installe. Voilà. Donc on va juste virer les paquets qui ne servent plus à rien du tout. C'est pas grand chose, mais ça peut toujours être agréable de gagner de la place. Voilà. Donc on ferme PA Mac. Et maintenant on peut lancer Firefox avec le FreshPR plugin et Flash 21 à l'intérieur. La preuve en action. Voilà. Je voulais vous montrer ça. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Mais c'était surtout, je voulais vous montrer le manque en quoi il était vraiment obligatoire d'avoir une ISO intermédiaire. L'installation, une mise à jour au bon moment de 2-3 mois. Voilà. Je vous laisse. Je vous dis salut à tous. À la prochaine. Ciao.